Et coucou les amis, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans PES 2021 pour un nouveau jour de match. Nous sommes aujourd'hui en Bundesliga avec cette rencontre entre le Borussia Dortmund et les Red Bull Leipzig. Rencontre qui va se jouer dans quelques petites heures au moment où je fais cette petite vidéo. Je vais incarner l'équipe de Dortmund hein, qui reçoit donc cette équipe de Leipzig. Alors, il faut savoir que Leipzig est actuellement second du classement de la Bundesliga. Le Bayern a quelques longueurs d'avance hein, en tête du classement. Hein. Le Bayern va être titré dans pas très très longtemps. Mais il y a encore quelques matchs à jouer. Pourquoi pas espérer pour Leipzig rattraper cette équipe, même si je ne pense pas que le Bayern soit, on va dire, dans une optique de se faire rattraper. Quant à Dortmund, ils sont actuellement 5e du classement. Ils peuvent espérer encore arriver 3e. Il y a très très peu d'écart hein, entre le 5e et le 3e. Il n'y a que 2 points d'écart. Donc autant vous dire que là, Wolfsburg et Eintracht Francfort sont un petit peu sous pression de cette belle équipe du Borussia Dortmund. Que vous voyez donc à l'instant, avec notamment évidemment la superstar Haaland. Hein, c'est la petite révélation de ces derniers mois, ces dernières années. On verra bien s'il donne satisfaction. En tout cas, c'est une équipe que j'ai déjà contrôlée par plusieurs fois et j'ai toujours eu de bonnes sensations avec elle. Allez, du côté de Leipzig, je pense notamment à Poulsen, très très bon joueur. Malheureusement, vous le voyez, il y a pas mal de joueurs qui ne sont pas modélisés, c'est assez bizarre, c'est dommage, hein, c'est que le championnat allemand fait partie des faiblesses hein, de PES 2021. Et j'espère qu'il en sera différemment du 2022. Allez, on va se concentrer maintenant. Le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes, on va la jouer tranquille. Hein. On va la jouer tranquille alors, avec Haaland qui donne donc le coup d'envoi. Alors Darren, dites-moi, qui sera l'homme clé du match selon vous? Et pourquoi pas notre ami belge Axel Witsel, un milieu de attention, terrain peut-être en jeu. C'est un sacré tacleur. Certains disent qu'il est un peu trop agressif, mais c'est ça que j'aime chez lui. Oui, c'est évident, pas de surprise. C'était un petit peu limite, mais j'ai quand même essayé de faire la passe hein, pour le long dégagement au cas où j'ai vu qu'il a fait un petit... Oula, il s'est passé quoi? Lui qui n'a pas aimé quelque chose, visiblement. Quelle séquence de passe collectivement, c'est attention. Attention, ça va tirer tout de suite, Bien joué, hein, là, de la part des joueurs de Leipzig qui ont pu tenter quelque chose d'intéressant. Allez, c'est parti. Voilà une bonne occasion de contre. Sancho maintenant. Bien servi. Le bon dribble. Et le tir. Premier tir. Ah, j'ai pas fait ce qu'il fallait là. Clairement, je pense que j'aurais peut-être dû tenter autre chose là avec. Juste ici là, avec cette passe là. J'étais pas en bonne position. J'essayais de me remettre sur mon bon pied, mais. C'était peut-être pas ce qu'il fallait faire. En tout cas, j'aurais peut-être pu peut-être l'engouler. Faire quelque chose d'un peu plus. Allez, bien joué, bien joué. Allez, let's go les gars, let's go. Super, ça passe sans problème. Il est bien resté sur place et c'est un corner, le premier de la partie. Pour l'instant, ça défend très très bien du côté. Oula, c'est même pas corner. Oh, j'ai pas compris, c'est pas grave. Allez, là ça passe. Oh, encore jeu. Ça se joue à pas grand chose à mon avis. Oh, quand même, il y a un bon petit pied. Haaland, vous le voyez, qui est très offensif. Et vous l'avez peut-être vu dans la formation, c'est. Il y a 3 défenseurs hein, quand même. Hein. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Attention. Oulala. Ah, il leur faut pas grand chose, hein. Franchement, c'est une belle équipe là. Et s'ils sont second du classement, ce n'est clairement pas pour rien. Et là, notamment avec ce tir qui, heureusement, n'était pas cadré parce qu'on était largement battu. Hein, s'il avait été. Alors, on va essayer de dégager ça le plus loin possible. On n'a pas trop de solutions sur les côtés. C'est pas bien joué ça. Adam, ça joue long vers l'avant. Je vais me positionner, hein, c'est pourquoi je prends mon joueur. Il m'a complètement effacé là. C'est joué dans l'espace. Et c'est intercepté. Les gars, ils sont vraiment à l'affût. Hein. C'est assez hallucinant de voir leur.
leur vitesse de jeu par rapport à moi là. Comme par exemple ici. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais aucun. J'ai beaucoup de mal à me dégager, allez. On y va, pas d'arrêt de jeu s'il vous plaît. Alors il y a un changement, c'est quoi? Oh c'est dommage. Allez, allons-y. Va servir sur le côté. Ah ça c'est bien, ça c'est pas mal. On va tenter. Allez là. Nouveau tir, hein, mais ça ne passe toujours pas. Et c'est vrai que c'est pas non plus. C'était pas hyper dangereux, quoi. On a fait juste acte là, mais on n'a pas. On n'a pas encore fait de tir vraiment précis, puissant. C'est bien intercepté. Allez, ça c'est bon. Avec beaucoup de sang-froid, on sort cette balle. Hasard. En retrait pour un petit coup de sur le compteur, nous sommes déjà à la 35e minute. Et toujours pas de but. Et le raid côté droit. Allez, cette fois-ci, ça devrait passer. Bonne interception, eh ben non. Il y avait danger. Long ballon dans le sens du jeu. Le ballon dans la profondeur. Il relance côté droit. Et le centre. Allez, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Alors là, je comprends pas trop pourquoi on n'arrive pas à récupérer cette balle. Allez. Ça peut partir en contre. La profondeur, bien vu. Et hors jeu. Et encore hors jeu, ils jouent très très bas, hein, les joueurs de Leipzig. Et ils ont compris que Haaland était vraiment à l'affût là de ce petit ballon, mais pour l'instant ça ne passe toujours pas, et alors qu'on a eu très très chaud hein, juste avant, on sentait vraiment qu'ils allaient pouvoir frapper, et puis finalement on a réussi à contenir un petit peu les choses avec un petit peu de sang-froid, et c'est vrai que c'était pas simple, et c'est donc la mi-temps. Score 0-0, match assez disputé, je pense que c'est assez équilibré en termes de possession. On va découvrir ça, oui c'est ça, 51 à 49, deux tirs chacun pour les deux équipes. Et seulement on a cadré les deux fois, une seule fois pour eux, mais on n'a pas été franchement dangereux. On ne peut pas parler vraiment vraiment d'action dangereuse qui soit passée à côté. Bah, pour l'instant, c'est plutôt timide. Et je le sens bien, pour cette seconde période, je le sens très très bien. Il faut simplement se concentrer comme il faut. Allez, ça avance aussi. C'est bloqué. Oulala, ça fait peur. Ça fait très très peur ça. Dortmund qui cherche l'étincelle. Allez, Haaland qui a la balle. Brandt qui est forcé de temporiser un peu là. Witzel. C'est une frappe. Allez, on va tenter. Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Adam. Il frappe loin devant. Va-t-il en profiter? Oh, ça, c'est quand même fou. Hein. Alors, une passe comme ça, là, il a mis toute la défense dans le vent. Ah, c'est bien joué quand même. Hein. C'est très très bien joué. Heureusement qu'il n'a pas remis au centre. Parce qu'il y avait du monde. Et c'est donc un changement. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai fait des bêtises. Oh non, c'est pas vrai. Ça revient quand même dans leur pied. Il met la tête. Allez, Björk, qui s'est saisi du ballon. Ah oui, ils sont dessus. Ils pensaient bien que ça allait au fond. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Hasard. Ah, quand ça ne veut pas passer, ça ne passe pas, hein, vraiment. Les minutes s'égrènent, mais on attend toujours le premier but dans cette rencontre. Witzel. Une occasion, peut-être, pour Hasard. Oh, il y a danger. Ah, c'est pas mal, sauf qu'on a poussé la balle trop trop loin. Ah, il faut absolument qu'on la récupère ici.
Oh, ce jeu de passe, quel régal! C'est bien ce qu'il fait là. C'est parfait, magnifique. Oh, un bon centre devant le but. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Allez, on est peut-être vu. Oh, il a pris des risques. Ce sera il s'est passé quoi? Il y a une faute. Faute de qui? Attention, hein, ça peut être une faute sur Haaland, j'imagine. J'espère en tout cas. Et c'est bien ça. C'est bien placé. Ça peut être ça c'est pas mal. Je vais choisir Haaland pour tirer. Il frappe directement. Et but. Et but de Haaland. Avec beaucoup de chance, hein, il faut l'avouer, franchement. Il faut vraiment, vraiment l'avouer. Là, c'était assez inespéré. Hein. Déjà, cette faute, elle n'était pas forcément super évidente. Je ne l'ai même pas vue dans le jeu. Mais là, 78e minute, on arrive à marquer ce petit but. Hein. C'est vrai qu'on le mérite quand même. Hein. Sur l'ensemble du match, on a donné beaucoup. Mais on sentait bien que ça pouvait basculer d'un côté, notamment du côté de Leipzig. Et finalement, on arrive à marquer ce petit but avec l'aide du poteau. Alors là, franchement, efficacité maximum Leipzig avec Haaland. Avec un joueur comme ça, c'est vrai qu'on a on avait tout intérêt à l'utiliser là pour tirer. Il faut pas se relâcher. Attention, encore 10 minutes à jouer. Hein. Vous savez qu'ils peuvent très bien revenir. Ils en sont tout à fait capables. Hein. C'est vraiment une grosse équipe. Et la bonne intervention. Allez, bien joué. Très bien joué. Hazard. Allez, si on fonçait le coup, ce serait bien. Brandt. Ah, c'est mal joué. Oh là là, qu'est-ce que c'est mal joué. Can. Quelle passe. Ça joue à gauche. Ok. Ah, c'était complètement c'était nul. L'occasion de tuer le match. En retrait, vers son gardien. Alors clairement, hein, ce que j'ai demandé là comme passe, c'était pas du tout ça. Hein, donc... les joueurs sont complètement KO là, techniquement ils sont à la ramasse, c'est pas grave, on va essayer de faire comme avec, c'est comme ça. Et même Haaland là il est sur les rotules. Et c'est fini, score 1-0, c'est pas énorme, hein. Franchement, c'est un match qu'on a eu du mal à terminer. Pas forcément satisfait de la manière, mais c'est comme ça, on a quand même réussi à marquer sur un petit coup franc sympathique, gentiment donné par monsieur l'arbitre. Il fallait encore en profiter, et ce qu'on a réussi à faire avec le petit but de Haaland, qui donne du coup la victoire au Borussia Dortmund, possession 53%, 5 tentés et 4 cadrés, donc c'est pas mal. Du côté de Leipzig, 4 tirs tentés, 2 cadrés. Homme du match, évidemment, c'est Haaland, avec 7,5 sur 10, hein, bravo à lui. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette petite vidéo. Dans ce cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine rencontre. Ciao ciao. Hey, vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine.